Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais refaire mon ranch schleich. Donc, le ranch tout sans sel. Donc, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Il y a quelques images de mon ranch. Mais là, je vais encore vous montrer comment est mon ranch. Donc, pour l'instant. Et après, je vais vous montrer vite fait comment il est après. Mais bien évidemment, je vais montrer quand je vais le construire, enfin l'assembler, etc., etc. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Donc ici, on a avant le ranch et après.
Les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon ranch. Donc, je vais vous faire une petite visite. C'est On commence parti! avec un petit pré tout petit, donc juste pour mettre un peu les chevaux, par exemple quand ils travaillent ou comme ça. Ici, il y a un manège de dressage. Puis ici, il y a tous les sauts qui sont rangés. Donc ici, il y a le manège. Voilà. Puis bien à la série. Donc ici, on a déjà deux petites charrettes avec un enclos de pension. Donc il n'y a pas de cheval à l'intérieur, bien évidemment, pour l'instant. Donc juste ici, il y a le bol de guêtres, donc un petit panier de guêtres. Voilà. Donc avec les tapis qui vont avec les guêtres. Puis on a des tapis de sel ici. Donc je vous montre de plus près, pardon. Donc ici on a les selles de différentes couleurs avec ici les selles un peu plus spéciales du style rodéo western pour faire des défilés de mode et la selle de voltige. Ensuite ici on a les boîtes de pansage avec l'hélicoptère, puis encore des boîtes de pansage. Ensuite ici à ma droite il y a un petit paquet de carottes que j'ai fabriqué il n'y a pas très longtemps de cela. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir mais voilà comme ça. Voilà avec tous les détails. Puis ici un paquet de bonbons à la pomme, donc avec une petite pomme à côté. Et ici, on a le rangement des brides. Donc, il y a des brides qui sont tombées. Pour ceux qui ne savent pas, je les range avec de la pâte à fixe. Bon, ça se voit que c'est de la pâte à fixe. Ici, on a Jet Cabel. Voilà, je ne vais pas. C'est un bonnet excepté, mais c'est pas grave. J'en referai. Parce que je ne suis pas trop faire de bonnet. Voilà, franchement, il ne faut pas me demander. Ensuite, là, on a le rangement des brides aussi. Puis, on a encore des selles. Et là, je sais pas si je vous ai montré. Mais c'est des selles pour les petits poneys. Donc, des selles qu'on peut mettre avec des tapis parce qu'ils ont déjà un tapis pour les plus grands chevaux. Mais on peut aussi utiliser ça pour les plus grands chevaux, mais je l'utilise plutôt pour les petits chevaux. Donc là, il y a aussi le cravache, enfin pour les petits poneys. Et ça, pour ceux qui croient que c'est un tapis de sel, ce n'est pas un tapis de sel, ne vous inquiétez pas. C'est un amortisseur. Donc on utilise souvent ça chez les poneys, le plus souvent. Mais on utilise aussi ça chez les chevaux, chez les grands poneys. Voilà. Ensuite, ici, on a une boulangerie. Donc c'est pas pour une boulangerie, mais un petit magasin. Donc ici, on a les carottes, la salade, puis ensuite les patates, enfin les pommes de terre, si vous préférez. Les pommes, donc des pommes vertes, des pommes rouges. Puis ici on a des petites galettes, donc écoutez, j'avais acheté ça dans un calendrier de l'Avent. Ça disait qu'il y avait plusieurs parts, je sais pas si vous avez acheté le même, mais j'avais acheté et puis ça disait qu'il y avait genre une tarte au complet à la pomme et une tarte au complet à la myrtille. Donc à la myrtille, j'en ai reçu qu'une part, mais j'allais quelque part dans le chalet, je ne sais pas trop où. Et que deux parts à la pomme, donc c'était vraiment une grosse arnaque. Moi j'ai pu acheter des calendriers chalets, en plus je les ai déjà tous. Des slèches, mais de toute façon c'est des slèches exclusifs. Donc moi j'achète plus trop des slèches en ce moment, j'achète des slèches collecta ou des Billy Lamb, donc parce que j'ai trop des slèches. Ensuite ici il y a du pain, des œufs, du lait avec une petite dame qui fait ses commissions. Là il y a un petit panneau, voilà quoi, je vais pas vous présenter tous les prix, hein, je pourrais les poser. Ensuite ici on a la maison, voilà, je vais pas vous faire une visite de la maison parce que voilà, il y a le salon, la cuisine, la salle de bain, etc, etc. Ici c'est les intros, je les fais souvent là. Mais sur cette vidéo j'ai pas fait là mon intro. Bah, je l'ai fait juste là-bas en fait. Voilà, j'ai fait là mon intro pour ceux qui savent pas, si vous n'avez pas regardé le début. Donc ici il y a deux personnes qui discutent avec un poulailler, un petit manège pour les poneys parce que c'est très petit, hein. J'avais pas de chaise sous la main quand je l'ai fait, donc franchement. Donc ici, pour ceux qui savent pas, c'est une salle d'attente pour les parents. Voilà, bon c'est une voiture en plastique, hein, pour les enfants, c'est une décoration électrique là. Enfin, c'est pour que les enfants voient, c'était très moche, hein, la décoration, la fenêtre n'était pas bien faite. Ils peuvent regarder leur enfant au chaud, donc moi je dis que c'est fermé, mais comme ça je peux jouer aussi. Donc là il y a un manège pour les petits poneys avec la porte qui s'ouvre, hein, mais je vais tout péter si je l'ouvre. Donc avec un petit panneau interdit de fumer. Puis ici on a les vannes rangées, dont là les voitures aussi rangées, donc j'ai que deux voitures et deux vannes. Mais je trouve que c'est déjà pas mal pour juste un ranch life, puis surtout j'en ai pas besoin d'un milliard. Ensuite ici on a des chiens à bout de lait, bon, là on s'en fiche. Alors on s'en fiche pas, mais voilà, c'est juste des chiens. Ensuite ici il y a un box pour les chevaux en pension, donc du coup il y en a pas de chevaux. Ici c'est pour laver les vaches, donc je vous présenterai après l'enclos des vaches. Donc ici on a les personnes qui discutent avec l'enclos de lama et alpaga, et puis des ânes et du lait, je sais pas si vous avez vu, je le kiffe trop. Je l'ai appelé Prunelle. Plus je sais pas trop, c'est une femelle donc je l'ai plus belle, mais on va aussi l'appeler plus jolie si vous voulez. Ici on a un petit paddock, donc des chevaux, des poulains, là, il y a des poulains, voilà. Ici il y aura le paddock, aussi celui-là. Donc ce paddock, c'est un paddock, pardon, c'est un paddock pour tous les chevaux, mais souvent les poulains là, quand leurs mamans sont pas là, comme ça ils s'habituent gentiment à être tout seuls, parce que là après, quand ils sont juste à côté de leur box, bah c'est pas trop top, parce qu'ils vont tout faire pour rentrer dans le box quoi, donc je les mets juste là, juste un peu à côté, parce que. Elles sont un peu difficiles à rester fermées ces portes, hein, donc voilà. Ici il y a des chevaux collecta, donc du coup j'y ai trop. Avec donc c'est les plus grands chevaux des écuries, hein, pour juste avec des cochons, voilà. Avec leur prix, bon y a pas que ça comme prix, hein, voilà. Avec un petit restaurant, donc ici il y a ça, c'est des petites têtes, voilà, un petit restaurant tout mignon. Avec ici pour faire le restaurant, voilà, pour manger, préparer manger quoi. Ici ensuite il y a le parking pour le vétérinaire, donc je sais pas si je vais acheter un jour le van, enfin la voiture du vétérinaire, peut-être un jour, peut-être jamais. Dites-moi en commentaire si vous avez le van, hein, n'hésitez pas. Ici il y a des petits boutons là, tranquille, du vétérinaire. Donc quand ils veulent rentrer, ils ouvrent le portail, ils doivent le fermer. Donc pour pas qu'ils ouvrent les deux portails, j'ai mis un paquet ici, donc de ce truc. Ici on a le vétérinaire, donc avec les deux petits chiens. Voilà, là c'est une bonne.
Ensuite, si on a le pré des vaches, je vous ai pas dit, mais j'en ai encore plein des vaches, mais que des prunes. J'en ai encore des blanches prunes foncées. Sauf que là, j'ai voulu faire un peu changer. Avant, je les bêtais tous et je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Donc, pour l'instant, j'ai juste mis des vaches blanches et noires. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un short, une vidéo présentation des autres vaches. Bah, peut-être que je crois que je vais les mettre dans l'autre vidéo, donc la vidéo précédente. Donc, en fait, la vidéo, quoi, cette vidéo, quand j'ai installé le blog, je vais montrer aussi les vaches, donc Kidia, mes autres. Mais si vous voulez, je peux vous faire une présentation dans un short. Voilà. Donc ici on a les vaches, j'ai voulu un peu changer en faisant qu'une couleur, donc blanc et noir avec un peu de gris. Voilà. Il y a juste le petit chat marron, c'est un peu blanc et noir. Je kiffe trop cette vache, regardez-moi comme elle est belle. Sinon les autres c'est que des vaches brunes. Hein. Je voulais que je fasse un short de mes présentations des vaches, hein, mais je pense que je vous en fous un peu. On va essayer de ramener au box d'abord. Ensuite là on a le box des petits poneys, donc les poneys les petits, donc là leur pré et là le pré aussi. Leur prêt, faisait pas attention à la prise, hein. Je peux pas l'enlever la prise, donc voilà, ici on a, je vais essayer de vous dire les box, donc ici il y a Chippy, je vous dis juste, mais sinon je vais pas vous dire les autres, juste pour les petits poneys, parce qu'ils sont trop mignons. Donc ici on a Chippy, ici on a Brindy, ici on a Yakari, Diamant et Torres, donc avec leur prêt. Puis voilà, il y a une dame qui fait un reportage, je reprends pas le frugier, voilà, pour voir un dessin non plus. Voilà, ensuite ici on a des box, donc ça c'est juste un slash collectation, c'est pas des fiches collecteurs. Voilà. Donc ici on a un petit prêt, là, les chevaux. Ensuite ici on a les plus grands chevaux, donc les chevaux qui sont un petit peu plus qui ont déjà fait des poulains, à part lui, parce que lui c'est un étalon, donc il fait des poulains, en fait c'est un étalon exprès pour les poulains, mais il est assez vieux, donc maintenant il le fait plus, mais on le garde dans ce box parce qu'il s'appelle Prince du coup. Mais on le met ici parce qu'on va pas le changer de place, parce que c'est un des premiers chevaux, donc à la directrice de ce club, et elle ne veut vraiment pas le vendre, donc voilà, on va le garder ici. Ici, il y a Popcorn, c'est un nouveau poney qui est venu il n'y a pas longtemps, donc elle a 7 ans, je crois. Ici, on a un chien qui a fait un poulain. Donc, son poulain est parti faire. Donc, son cheval est parti se faire éduquer. Hein, on va pas faire. Je vais pas vous faire non plus un dessin. Vous avez qu'à chercher sur internet, hein, j'ai vraiment flemme. Ouais. Ensuite, ici, du coup, son poulain est allé se faire débourrer. Et ici, on a John Baban. Donc, je sais pas trop quel âge il a. Donc, je sais pas trop son âge. Ensuite, ici, on a les douches. Puis les voitures. Donc voilà les amis, je vous ai fait la visite de mon centre équestre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et que n'hésitez pas, pardon la caméra bouge, et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous n'avez pas trop aimé, si elle était trop longue. Désolée. Si elle était trop courte. Désolée. Donc voilà. Ciao, ciao.